Mamma mia! Et salut à tous. Ariel sur Wikifit. Salut Alex. Salut Tix. Salut Woodchip. Salut Max. Salut Fibo. À tout de suite. Merci Fibo pour le follow. Petit résumé de ces 4 derniers mois, MDR. Faut suivre les VOD sur YouTube, ouais, Michel. vous avez prévu, mais non, je me suis proposé d'acheter vos pas afin de leur donner accès. Ça m'est venu des semaines de la soirée. Ah, bonsoir. Allô? Je vais pas demander comment ça va, mais je veux savoir comment tu te sens. Bah, en train de je t'avoue, en train de faire mes affaires là. T'as besoin d'aide pour quelque chose ou... Là tout de suite je pense que ça va. J'ai fait le gros de mes valises déjà. Je pense que j'ai encore des petites affaires à régler en ville avant de partir. Tu sais à quelle heure est ton avion? Ouais, vers 23 h. Tu seras vers là-bas à quelle heure? Si c'est possible, si tu veux bien que je te Ouais, voie une dernière fois, mais... bah oui. Bah je serai là-bas au plus tard, je pense 22 h 45. Oui, je suis surpris, mais si c'est pour ton bien ou pour faire les choses que tu as besoin de faire... Ouais, en fait c'est du côté de ma famille. En fait, mon frère, il y a quelques semaines, avait eu un grave accident de voiture. Il était dans le coma et bon, il s'en est sorti et du coup il est en convalescence. Et j'avais pu revenir parce que ma mère pouvait s'occuper de lui, quoi. Et bah c'est ça, là lundi, enfin non, ce week-end, le week-end dernier, elle m'appelle, elle me dit que sa santé c'était redétérioré, du coup Oh, je suis désolée. elle est en panique. Et je pense qu'il faut que je rentre, quoi. D'accord, oui, compréhensible. Bon, Et du coup, je sais pas combien de oui. temps, pour combien de temps je vais rentrer. Bah, je règle un peu. Je quitte mes engagements ici, quoi. Oui, non, mais t'as bien raison, la famille avant. Bah, après, c'est que je m'attendais pas à ce que Abby nous quitte aussi, quoi. Ah bah, je pense que personne s'y attendait, oui. Je suis encore sincèrement désolée pour toi. Hein. Bah, on se dit à tout à l'heure, là. Ouais, ça marche. À plus tard, Ariel. Merci, salut Serge.
Qu'est-ce qu'on bouffe? Je fais des trucs sur moi déjà. J'ai tout le temps, j'ai toujours 4 billards. Tomate, un petit jus de pomme. On a bouffé. On se prend les petits tubes de cette tomate mozza. Hop là. Je sens qu'il va y avoir des textos dans tous les sens ça, ce soir. Alors, il y a un truc. Je sais pas où est ma bifta. Petit tube de 2 semaines pas très frais, là. Allez, let's go. Je sais pas où est ma bifta. Parce qu'elle est pas dans ce garage-là. Elle est pas dans le garage... Elle est pas dans le parking du LSPD. Je pense qu'elle est quelque part au nord. Je sais pas du tout où elle est. J'aurais bien aimé la vendre parce qu'il faudrait que je vende mes bagnoles. Mais là, la vendre mes bagnoles ce soir en 2 heures, là, ça va être compliqué, je pense. Je pense que je vais juste la vendre au concessionnaire. Attends, qui c'est qui m'a envoyé le message? C'est déjà un bon début. C'est pas. Je la saurais pour le moment. On peut se retrouver. On est perdu, les hommes. Beaucoup de gens sont partis, apparemment. Coucou Herculea. La mairie. Effectivement, on va pas aller voter avec Ariel parce qu'il part en fait. Parce qu'il part, il va pas aller voter alors que d'ici ce soir, il ne sera plus citoyen de Los Pampos. Ça me semble pas très très fair. Même si c'est tous qui donnerait une voix probablement bien nécessaire. Sullivan Andrew. Après, si des gens tentent de le convaincre d'aller voter quand même, ils discutent. Hein. Pour le moment, c'est pas le cas. Et du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi. Il y a les élections municipales actuellement. Et Sullivan Andrew est au second tour, donc médecin. Face à Cassandra Green, ancienne criminelle. Mais qui n'a pas de casier judiciaire depuis plusieurs mois. Censé être clean, entre guillemets. Du coup, Cassandra Green est passée avec 40% au premier tour. Alors,
alors qu'elle s'est présentée, qu'elle a posé sa candidature un jour avant la fin de la campagne. Voilà. ça questionne beaucoup. À l'instar de M. Sullivan Andrew, qui lui a fait campagne pendant 2 semaines, à la régulière, disons. Tu nous expliquer pourquoi, expliquer le monde part en sucette à ça. Ariel là sous ce parapluie et ce t-shirt phosphorescent. Oh, bonsoir, bah rebonsoir. Salut. Hello Ariel. Tu vas bien? Le t-shirt de toute beauté. Ah bah c'est gentil. Flash, hein, ça flash. Hein. Ouais, ça flash. Moi je suis sûr qu'on me voit. Tu viens voter? Non. Je viens vendre mes parts du Weasel. Ah, ok. Vous avez vu Robert Il y a plein de gens à l'intérieur. Je crois qu'il est dedans. Intérieur, je l'ai vu rentrer tout à l'heure. Salut Robert. Salut. Bonsoir. Et puis. Bonsoir. Non, c'est pour une vente de, c'est pour une vente de parts sociales. Très bien. Et madame, bonsoir. Vous êtes là pour quoi? Du coup, bah dans le programme, on va très bien. Et ben, on écrit qu'on va baisser les impôts. Allons-y, suivez-moi. Vous pouvez me suivre aussi si vous voulez. Merci. C'est la part avec qui? Avec monsieur? Oui. Ok, vous êtes déjà là. Ok, super. Merci. Bon courage. Les résultats, si jamais, hein, à 22h dimanche. Hein. Ouais, ça marche. Voilà. C'est noté. Et je vous remercie. Allez, bon courage. Attendez, je fais voter madame. Du coup, le Weasel va fermer ou pas? Non, j'essaye d'éviter ça. Ah ouais? Oui, de là où aller, Gabriel va essayer de solutionner le problème de Kota et moi je vais lancer une stratégie de comment faire. Et on va réduire les services, etc. Et je vais essayer de rendre ça plus attractif aussi pour les employés. Ok. Okay. Voilà. Ah, très bien, messieurs, on peut y aller. Je vous en prie, venez. Okay. Alors, je dis. Commence pas, Max. Vente. Je vais ouvrir ça. Ça parle fort à côté. Ça parle fort, hein. Mais ça parle un petit peu fort. Vente de parts, c'est ça, un part, hein. Ouais. Pas de véhicule. Ok, super. Je sais pas si le truc qui marche bien. J'ouvre tout, bouge pas, j'arrive à trouver ça. Let's go. C'est bon. Le relou. Ça serait pour quelle entreprise? Le Weasel News. Le Weasel News. Weasel News, le nom correct, toi? Ok, Weasel News, ok. Oui. Super, très bien. Donc nous avons... alors, qui achète, qui vend? Alors, Ariel Levasseur vend à Robert Burns. On va voir votre carte d'identité, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Levasseur. Tout ça que je veux faire. Ah super. De tout marquer. Merci Max, à plus tard.
Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a raconté? J'ai pas le numéro de téléphone, s'il vous plaît. 051-05-33. Qu'est-ce qu'il y a raconté à côté? Tout bon. Et pour l'acheteur devant monsieur. Monsieur Barnes, Robert. Je veux bien votre carte d'identité, s'il vous plaît aussi. Oui, oui, il faut que je la cherche dans mon bazar. Souci, pas votre temps. Très bien, monsieur Barnes, ouais. Bonne 3,05€, ouais, ok, ok. C'est 60, monsieur Barnes. Ah, on dirait pas, hein. Ouais, je. Pas votre âge. Ok, et un numéro de téléphone, s'il vous plaît. Il faut que je regarde dans mon machin. Pas de soucis. C'est 051-06-64. Super. Et là, nous avons. Oh, faut plus pas lui. Si c'était quoi, news, tout à fait. Et combien est-ce que vous vendez? Combien de parts? Normalement, c'est 3 parts, il me semble. Et je les vends 7 000 $. Jean-Baptiste de Deciel, je suis son cousin. Ah, c'est mon cousin, il m'a suivi à cause de mes parents. Il souhaitait que je la protège. 3% des parts, enfin 3 parts. 3, voilà. Combien dites-moi, pardon? 7 000 $. De 7000. Je suis tout à fait d'accord avec vous, madame. Dis donc, le Dieu, du coup, moi j'étais venu pour quelque chose à la maison. Super, on est le 29. Oui, très bien. Alors que je signe ça. Je vous l'envoyer, je peux l'envoyer à qui en premier? Pour que vous puissiez le signer chacun. Vous pouvez me l'envoyer à moi. Adresse. Adresse email, c'est ariel.levasseur@discord.gg. Ne vous inquiétez pas, après on fait le méga débrief de RPZ2, hein. Surtout restez. Dites-moi si j'ai fait une faute. N'hésitez pas, c'est possible, ça arrive. Je vais regarder ça. Oui, c'est vrai, j'avais déjà oublié. Ça m'intéresse. Nous aider, ça m'intéresse. Sachant que plus tard, je vais aider la société. Très particulier comme discours. Vous investissez en moi, en tant que je viens de lire la fiche de Andrew là sur Twitter. C'est
particulier comme, comme communication. J'ai pas vu, qu'est-ce qu'ils disent ? Si je suis candidat, ce n'est pas pour me montrer, c'est pour me battre. Je ne serai pas un maire absent ni hautain. Si c'est le cas, virez-moi. Ah, très bien. Et ben, compliqué de virer le maire. Moi, je doute pas que le... J'ai juste une remarque à faire. Ouais. Kaski compte venir voter. Qu'est-ce que... Pardon ? Kaski compte voter parce que je suis là depuis l'ouverture, il n'y a eu aucun candidat. Ah. C'est bien beau de faire campagne le jour d'ouverture des bureaux de vote, alors que pendant une semaine, les deux candidats ont fait mort. Tu peux lui demander ? Ouais, je veux dire. Avec le document. Alors, excusez-moi, je... La signature. Ceci, surpris. Ouais, je voulais envoyer. Yes. Vous avez tous les... Vous avez pas de flux de signer. Faudrait que monsieur signe. Donc je le renvoie à monsieur Barnes. Ah oui, pardon. Porte, je peux le renvoyer ou vous l'envoyez. Ah, je vais l'envoyer. Je vais l'envoyer à Robert. Ok. Je sais ça alors. Ouais, c'est envoyé. Ouais, je crois que j'ai reçu le bazar. Ouais, du coup, je suis en train de regarder à l'issue de ça, monsieur Vasseur, vous avez plus tout de part. Ouais. On est d'accord, ok. Monsieur Barnes, ça vous fera 5% en tout. Oui, c'est ça. Ok, bah super. Après, je vois qui reste. Ok. Évidemment, il va envoyer cette photo. Ça va être aiding. Du coup, vu qu'Ariel y part, il vend ses parts sociales, il va vendre, essayer de vendre ses véhicules aussi. Je sais pas si il va avoir le temps. Mais... Ah, c'est le bazar, là, je comprends rien, c'est le truc de. Là. Pardon ? Non, juste le bazar, ça fait n'importe quoi, ça m'a l'air, c'est... Et vous pouvez, oui, oui. En PDF, c'est facile, mais si vous avez autre chose... Non, je vais pouvoir faire, c'est juste que... c'est pas de mon âge, vous voyez. Ah, je comprends, c'est pas évident pour tout le monde.
Oui. Vous pouvez en sortir en tampon. Non, oui, je vais en sortir, c'est juste que moi, comment ça marche, les bidules là, j'appuie sur les touches là, ça marche pas, ça m'énerve. Il y a votre temps, vous inquiétez pas. Je sais pas, moi, je le vends combien la bifta. Ça vaut combien ce truc? Voilà, je te l'ai renvoyé, Ariel. Ou à moi, du coup, pas vous. Bah, je vous le renvoie. Voilà, en dernier. Comme ça, chacun vous avez tous une copie signée, et moi, je prends la copie signée aussi. C'est super. Ça a l'air avant. Tu préfères quoi? T'as déjà fait transfert d'argent ou pas? Non, pas encore. Bah, ce sera fait dans la soirée. Ok. On peut le faire directement maintenant, comme ça. Oui, on est là. Là. Bon, ben, on revient alors. Très bien. C'est bon pour moi. Ah bah super, merci beaucoup. Merci à vous. Vous êtes adorable. Vous, monsieur Barnes? Oui. Super, tant mieux. Bonne soirée. Oui, je te fais le virement, 7000. Du coup, c'est 7000 x 3. Ok, je te fais 7000 x 3, je te fais. Mais je veux de suite là. Yes, ça marche. Ah, pardon, c'était 7000 x 3? Oui. Ouais. Ah merde. Du coup, le document, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'était combien au total? Ah pardon. Aïe. Oh. Je peux m'en sortir sans tout refaire. Oh là 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 là. On pourrait pas mettre un petit peu de blanco? Oui, je vais essayer de. Il n'est pas en patron là? Non, oui, je vais essayer de. Ah, je vais essayer de bidouiller, ne vous inquiétez pas. Super. On va changer. Du coup, c'est bien 21 000 au total? Ouais, c'est ça. On est d'accord là-dessus? Ouais. Ok, bon, je vais me débrouiller. Ça marche, merci beaucoup. Bien. Bonne soirée. Je te fais, je vais te faire les parts là, je rédige juste un petit article là. Ouais. Et sur l'absence des candidats que j'ai publié dans la foulée. Et... Ah oui. Oh, tu. Je veux dire, techniquement, ils ont jusqu'à dimanche hein, pour voter. Sûr. Oh, comment vous allez? Salut Damien, ça va? Et vous? Ça va, écoute. J'ai juste un article pour parler du manque d'intérêt des gens pour voter, y compris des candidats. Écoute, c'est toi qui vois. Jusqu'à dimanche soir, hein.
Ouais, mais bon, moi je suis candidat à une élection, je suis là à l'ouverture du bureau de vote. Ouais, mais ils ont peut-être d'autres choses à faire, je sais pas. Hein. Bon bah j'espère que... que tout va aller pour le mieux et ouais. mais oui, ça va aller. Ouais, apparemment le weasel va pas fermer. Du coup. J'espère, ça serait bête. Non, ça va pas fermer. Hein. On va éviter. Bah vous, ouais, vous pouvez essayer de recruter. Je sais pas si, je sais pas. Petite discussion ferme, par SMS. Avec Sacha, il a l'air assez remonté, mais... Ah bon ? Bon, pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai ? Bah, il m'a dit que apparemment le patron, enfin, quand je lui ai dit que je travaillais à l'Emerald, il était enfin, pas content, mais bon. Et que le patron de l'Emerald avait dit qu'il était incompétent, et que du coup, le fait de travailler avec la copine du patron, et c'est pas, du coup... Oh, attends, t'inquiète pas pour ces histoires, c'est pas bien grave. Oui, après il faut savoir faire la différence entre le pro et le personnel aussi. Oui, mais non, mais chacun différent. Hein. De toute façon, j'ai quitté parce que enfin c'est pas personnel, hein. C'est un site techniquement, mais. Non, mais t'inquiète pas, hein, pas de ouais. Pas de mal, hein, tu fais comme tu veux, Damien. Non, ouais, on retient personne. Hein. Ouais. Bien sûr. Mais ça va, je suis content, j'ai réussi à. À revenir sur le droit chemin. Et ouais. Bon. Bon courage à l'Emerald. Hein. Bah merci, de toute façon c'est en attendant que les EMS aient moins d'internes et que je puisse rentrer chez eux. Mais de toute façon j'ai vu l'Emerald, je pense que je vais rester peut-être un peu plus longtemps que prévu à l'Emerald. Ça a l'air pas mal donc. Salut Vala. Effectivement, Ariel s'en va. Tu verras bien encore, de toute façon t'es jeune, t'as le temps de découvrir les choses. Oui, mais je viens de commencer hier de toute façon, donc bon. Enfin bref. Je vais vous laisser, moi je vais passer un petit coup au Bénise et je vais reprendre mon service là-bas. Ok. Bonne soirée, bon courage. Merci, salut. Bon, moi j'ai une bifta à retrouver. Elle est pas. Elle est pas Weasel ? Je sais pas. Je crois pas, non. Déjà venu avec. Abby, elle est. Dead ! T'as les clés sur toi, si tu veux, je peux vérifier. Je vais passer. Pardon ? Si t'as les clés sur toi, si tu veux, je peux les vérifier. Ah ouais, tiens, ouais. Ah, attends, laisse-moi trouver ça. Ouais, bon, je regarderai. Merci. Je trouve. Je crois pas qu'elle soit. Je crois pas qu'elle soit là. Qu'elle soit visuelle. Mais de toute façon, je vais faire un petit tour de l'île là pour voir. Chercher les différents parkings. Ok. Ok, bon. Je t'embête pas plus. Non. Bon, j'attends Sacha là qui devrait sortir. Ok. Je reviens. Et oui, elle a dead ça. Elle a dead ça, Abby. Elle est morte des mains de Siam. Homicide involontaire. Mais pour Ariel, c'est un assassinat. Sauf que il n'a aucune idée de qui a fait ça. Ça se passe pile avant son départ, ce qui rend le départ encore plus douloureux. Mais pourquoi les gens ils tournent en rond là ? Volontaire, oui. Bah homicide involontaire, oui, parce que ah bah, on parle du lot.
Ah, le but était pas de. Le but était pas de la tuer, quoi. Par contre, l'Emerald, j'aimerais bien l'emmener à Wam. C'est parfait. C'est parfait. Et salut. Je vais faire la diva pour passer devant Marco Bros et l'autre compte Cordino. Hein. Oui, j'ai vu ça. Alors, ce que je te propose, du coup, tu vas aller direct rejoindre Adonis et Serge ou Bah, comme tu veux, on peut chercher la bifta là. Hein. Alors, ce que je te propose, c'est que je te passe le double des clés de la bifta. Vas-y, hein. Et puis on cherche les. Et puis on cherche dans les parkings. Hein. Attends, voilà. Parce qu'elle est sensible d'être dans quel parking. Alors, franchement, j'en ai aucune idée. Voilà. Donc on va se taper tous les parkings de la ville, si j'ai bien compris. Alors, je pense, à mon avis, il y a plus de chances que ça soit hors de la ville. D'accord. Mais alors, si tu veux prendre moins de temps, tu peux te charger de faire les parkings de la ville et moi, je vais au nord de l'île, si tu veux. On peut faire comme ça. Je sais pas comment on va le boire, le verre avec Adonis, du coup, je t'avoue. Hein. Bah sinon, on peut y aller maintenant et essayer de chercher la bifta plus tard. Mais après, c'est-à-dire qu'il faudra le temps pour que je te la vende derrière et tout, quoi. Ah bah, ça me prendra pas longtemps. Au pire, on reste une petite demi-heure avec Adonis parce qu'il voulait avoir le thé un peu du Weasel, il m'a dit. Ah oui, d'accord. Bah écoute, on va aller rejoindre direct, ça sera plus simple. Aller les voir, on discute un petit peu, et puis après, on fait la chasse à la biftin. Ça peut être sympa, ça comme dernière soirée sur l'île. Hein. Ça marche. Bah moi, ma voiture, elle est là-bas. Je te rejoins là-bas. C'est au tequila là, on va au tequila là. Okay, c'est Ariel qui a tué Abby? Bien sûr que non. T'es ouf, toi. Tu es choc-barre de baiser? Tu es complètement choc-barre de baiser, toi. Je fais un reroll derrière. Et j'en parlerai tout à l'heure, voilà. J'en parlerai tout à l'heure. Il est si choc-barre. Effectivement, rien au Weasel. Carapaland. Nouveau serveur. Et oui. C'est ça la superbe annonce que je vous prépare. Bah, le tequila là, en fait, on est juste à côté. Coucou Yamiko, comment ça va? Les Team Cook. Les Team Cook, exactement. D'être là pour le débrief. Et oui, méga débrief RPZ2 à 23h. Hein. Sacré plan en préparation, là, c'est clair. Putain, faut pas que j'oublie le Shing. Imagine Ariel, il part sans le Shing. Ariel, ça fait plus d'un mois qu'il a pas payé son loyer. Oh le Shing, le Suzume là. Ça fait perpète que je l'ai pas sorti en plus. Elle est où Abby? Oh putain. Trop tôt. Je pars ma voiture et on arrive avec Valentin.
Bonsoir. Je vais vous prendre une petite bière. Ah, je vais en prendre deux. Merci beaucoup. Bonne soirée. C'est beaucoup trop tôt, Emiko. Rebonsoir. Et rebonsoir. T'as fini de faire tous tes trucs ? Non, pas complètement. Après, on part à la chasse à la bifta. Ouais. Comment ça, la chasse à la bifta ? Parce que j'ai une bifta quelque part sur l'île que je veux lui vendre, du coup. Et je me rappelle plus où est-ce que je l'ai mise. T'habitais dans où, déjà ? Dans le nord ? Moi, j'habite à Mirror Park. Ah oui, c'est vrai. Parce que moi je sais que par exemple. Ah super, c'était ce nickel. Moi je sais que j'ai un BMX que je cherche. J'ai fait tous les garages de Lille. Il est sûrement perdu chez quelqu'un, je sais pas qui, donc tant pis. Ah oui. Sinon ça peut être pareil pour toi. Hein. Ah oui, peut-être. Mais je pense pas honnêtement. Je pense que c'est je pense que c'est dans un parking public quelque part. C'est juste que j'ai dû oublier quoi. J'ai vu Damien, il bosse à l'Emerald Bar apparemment maintenant. Ouais. Oui. Bah c'est bien. J'ai du mal à le suivre. Je pense qu'il est un peu perdu, mais là, il fait un bon choix, je pense. Ah oui, c'est mieux que le premier choix dans lequel il voulait partir. Hein. Oui, effectivement. C'était pas le premier choix, Louisel ? Pas vraiment. Non, il voulait partir dans cette grande entreprise qui est la criminalité. Ah, apparemment, ils font des stages au LS Job Center en crime. D'accord. Pas ses mots. Hein, Ah bon, il a dit ça ? Non, pas qu'il faisait un stage, mais il a dit je pars crime. Hein. Bah. Je peux rien dire, ça. Je pars crime. Hein. Ouais, je sais pas. Et pourquoi il n'a pas continué dans ce chemin ? Bah. Peut-être parce qu'on a essayé de le convaincre du contraire. Je sais pas trop. Parce qu'il est peut-être pas doué là-dedans, ce qui est bien en vrai. Après, je sais pas trop ce qui s'est passé parce qu'il a vendu. Il a vendu des pochons pour les speeders. Mais. Sachant qu'il l'avait pris. Il l'avait enlevé deux fois. Je suis pas sûr de bien comprendre pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Quoi. Non, non mais il doit y avoir quelque chose, je pense. Enfin. Damien, peut-être que pas... oui, hein, c'était peut-être, il s'était peut-être fait menacer ou quoi. Ouais. Non, je sais pas, ah, donc forcé quoi. Peut-être. Ah, ouais. Aucune idée. Pour qu'il change tout d'un coup de discours, parce que moi il m'a rabâché qu'il voulait devenir policier et tout, ah pour oui, au final qu'il m'apprenne deux jours après que bah non du coup je fais des choses pas bien. Dis mais ouais, il était mis sous pression. Ou peut-être il était un peu perdu. C'est peut-être une excuse, ouais. Hein. Je pense que j'ai pris un coup de pression des speeders. Peut-être. Ouais. Que bon. Je crois que ce qui l'intéresse maintenant, c'est les EMS. Hein. Bah après, faut tester si c'est pas trop quoi faire. Hein. Faut tester les métiers. Ouais. Ah, allez, nickel. Bon, on peut jouer à 4 maintenant. Ça se passe bien pour toi, Denis, Wallace Speedy ? Oui, oui, pour le moment, ça se passe bien. T'es cadet, toujours ? Oui. Non, apparemment, ça a changé la formation, c'est long, sur la hein. Continuité. Oui, c'est plus long. Je crois que c'est ce que Foster m'a dit, je crois. Non, mais tant mieux, hein, parce que des fois, t'avais plus la pression de... Fallait vite tout apprendre et vite tout réussir. C'était une pression supplémentaire, déjà que c'était compliqué. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est une bonne démarche. C'est vrai, c'est vrai. Ça me fait plaisir de te voir, Ariel. Ça faisait un moment qu'on s'était pas parlé. Je suis content. Triste de savoir que tu t'en vas, mais. Bah, pareil, ouais. N'hésite pas à nous envoyer une petite carte postale. Une petite carte de Toronto, ouais. Neige là-bas, non. Pardon ? Maintenant ?
Il neige pas à tout contour. Bah, il neige un peu partout au Canada. Hein. Il neige pas cette période-là, si. Ouais, il neige. Bah, cette période, non. Il neige à partir de fin. Fin octobre, début novembre. Ah ouais. Ouais. C'est le hyper nord, hein, il fait froid. Ouais, il fait assez froid, effectivement. Après, Toronto, c'est pas super touristique non plus. Plus capitale économique, quoi. Ouais, ok. Et puis, on est parti faire notre lune de miel, mais je sais plus où exactement, Adonis. Vancouver ? Oui. Ça t'a marqué, en tout cas, c'est sûr. Je suis désolée, bah, je regardais pas le paysage. Ah non, surtout, on avait beaucoup marché comme ça. Mais non, mais je suis fatiguée. Je suis fatiguée, ça. Adonis. Donc, Sacha, pourquoi tu veux pas rester au Weasel si c'est Madame Leroux qui reprend Parce que. Disons que je suis pas trop en accord. Vas-y, avec, je suis avec Ariel. Allez. Vas-y. Faut que je prenne une queue, du coup. Oui. Vraiment en accord avec ce que Madame Leroux va faire. On est quelle couleur, nous ? N'hésite pas à parler un peu plus fort, ce choix. Il y en a pas encore. Il y en a pas. Oui. Il y a pas, donc du coup, on choisit soit les plaines, soit les rayées. Bah après, tu peux taper dans le temps encore, vu que c'est... Voilà, mais pour l'instant, tu choisis la couleur. La c'est couleur bon, bah je tape dans le temps. Et donc, j'ai pas bien compris ce que tu disais, Sacha. Alors, attends. Concentré. Oui, il y a Maria Tessier qui va arriver avec, avec Valentin. Je n'osais pas trop. Ouais, demander. J'ai mis la rayée, let's go. On a les plaines, du coup. Je disais que j'étais pas vraiment en accord avec la non, direction. Ah, c'est encore à moi. Ouais. Putain, mais par contre, moi je suis un homme, hein, je sais pas faire deux choses en même temps. Hein. C'est les rayés qu'on a. Hein. Oui, je vais stream le débrief, oui. Merde, j'ai failli la mettre. Donc du coup, je disais quoi ? J'étais pas non, en accord mais je avec le débrief, la direction qu'allait prendre Gabriel. Let's go. Merci. Hein. Oh, bien joué. Qu'allait prendre Gabriel pour le Weasel de 1. Je vais pas forcément être dans le vocal, je pense. Je ne lui fais pas vraiment confiance non plus. Je pensais juste faire je la connais pas trop. Le débrief juste... Pardon, j'interromps. On quoi. A les rayés, Sacha ? Oui, on a les rayés. Okay. Putain, Nico. Bah disons, je la connais pas vraiment beaucoup non plus. Quoi ? Mais c'est indécent, c'est pas possible ! Bah, dommage, ça... Denis, c'est un démon quand il joue bien. Oui, mais je me demande, c'est la première partie que je fais avec toi, Denis, ou... Oui, non, le Weasel, bon, voilà. Alors que la bille, là, elle rentre pas, c'est pas possible. C'est plus grave que tout, Sacha. Concentre-toi. Je comprends, pardon. Ouais. Non, pardon, oui, madame Leroux, oui. Oui, je lui fais pas trop confiance. Après, c'est vrai, je la connais pas non plus, mais quand j'entends son mec... gueuler dans la mairie que les employés du Weasel sont des incapables sauf sa copine Gabrielle. C'est qui son mec ? Marco Bros. Oh putain, oh, bah. En plus c'est lui qui dit. J'avoue que ça me fait un peu tilter et je me demande ce que Madame Gabrielle raconte à son mec sur son oreiller, tu vois. Donc si c'est pour travailler avec quelqu'un qui me crache dans le dos, non merci. Oui, tu m'étonnes. Ouais. Après, tu sais, c'est marrant. On leur a expliqué comment. Je sais pas si tu le connais, mais. On leur a expliqué comment on communique. Hein. Voilà, ça comme. Mais bon, Ariel, il a bien défendu et tout le Weasel, vraiment. Bah, ça en doute pas. Hein. Ah, bah, ils se sont fait blacklister pendant une semaine. Oui, bah, ça a pas duré longtemps parce qu'apparemment, elle a pris la commande. La commande de course là, pour le frigo le lendemain, Ariel. Ah non, mais ça on s'en fout. Après, c'est le travail, ça. C'est pas l'Emerald qui nous blacklist. C'est nous qui blacklistons l'Emerald en tant que. Client. On sait que vraiment on prenait rien du tout. Non. Ouais, c'est pas ouf quoi. Non, c'est enfin, juste que eux s'ils veulent des commandes, et bah poète, tant pis. Hein. D'accord, moi j'avais compris genre vu pendant une semaine. Bah on va pas se priver de commander à bouffer. Hein.
Bah, on. Le Weasel, je veux dire, parce que je n'y suis plus. Et maintenant, on s'en fout. Hein. Ouais. Mais donc, voilà, c'est pour ça que j'ai donné ma lettre de démission. Et puis, apparemment, elle prenait des directions cheloues pour le Weasel, d'après la réunion qu'on a eue. De toute façon, ouais, mais finalement, il va pas fermer. Secret, hein. Il va pas fermer. Ah, il va pas fermer au final. Bah, pourtant, il a mis un message pour les actionnaires. Ouais, bah, je discutais avec Robert tout à l'heure, il m'a dit qu'il allait essayer de faire en sorte que ça ferme pas. Je pense qu'il lui laissait une semaine, non? C'est pas ça que ça se disait à la fin de la réunion. Bah, après, c'est vrai que t'es parti, malheureusement. Ouais. Mais ils ont dit qu'il laissait un peu genre une semaine et demie au Weasel à fonctionner bah, avec Robert, Kate et Benjamin. Et il verrait. Kate est parti. Il était parti? Bah oui, je crois. Hein. C'était qui, Kate qui? Kate Brand. Ah. Bah après, elle change beaucoup de métier. Donc, si Kate est partie, il n'y a plus personne. Enfin, il reste Benjamin, quoi, en rédacteur. Horrible. C'est... En même temps, ça me fait du c'est rire, à moi, non, mais en même de temps, jouer. C'est... Oui, ça doit jouer. Je parle. Désolé, faut me le dire. Des fois, faut me dire Sacha, la c'est ferme. C'est dommage, parce que le Weasel a eu des moments... Des bons moments, et là, depuis un moment, c'est compliqué, quoi. Est-ce que la bille jaune, là-bas, elle est rayée ou pas? Non, elle est pleine. Pleine. Merde. Ouais, le Weasel, là, c'est compliqué, effectivement. Ouais. C'est une vraie galère. Hein. Après, comme on a discuté en long, en large et en travers, les gens n'aident pas aussi à faire en sorte de rester motivés et d'aider. Bah après, bon, bah les gens, ils sont jamais contents. Si les gens crachent dessus, ça, bah c'est ça, en fait. Mais après, c'est pas motivant. T'as juste envie de dire, bah, je balance tout et tant pis. Bah, je me dis s'il y avait des remarques constructives encore, d'accord. Oui, oui. Mais là, c'est juste complotiste ou je sais pas quoi. Râleur, quoi, qui râle pour une virgule. C'est ça, ils appellent parce qu'il y a une faute, mais quand c'est bien, il n'y a plus rien, quoi. Oh non, mais ça, ils s'en battent les couilles hein, quand c'est bien. Bah oui, parce que c'est notre travail. C'est ça. Bon, moi, quand Ralbar dit, il fait un bon plat ou quoi, je félicite le chef, tu vois. Bah, c'est le minimum. Mais bon. Mais d'accord, je vois. Après, comme je dis, je la connais pas du tout, je sais pas. Mais après, de... Quoique... Adonis m'a dit un truc, mais je sais pas si vous êtes au courant. Hein. Vas-y, balance, hein, c'est la soirée confidence. Ah non, bah c'est Adonis qui dit ce que tu m'as dit par rapport au par. Deux, pardon. Adonis. Ah, c'est vrai que tout le monde est des hommes ici, personne n'arrive à se concentrer et faire deux choses en même temps. Ouais, bah oui, hein. Je regardais ouais, Adonis, il veut pas nous parler, je crois. Non. Oui, mais... que de simples hommes. Hein, ouais, ça va, j'arrive à faire les deux. Moi, ouais, mais j'aime pas parler sur les gens. Allez, c'est bon, je pars. Ah, super, t'aimes bien ouais, écouter les potins, mais t'aimes pas. Ouais, on lâcher a dit, à on a capté. Bah, excuse-moi, c'est comme ça que je fonctionne. Hein. Toi, tu sais tout parce que t'es mon époux, mais. Non, ok, Ariel, ça marche bien ton chantage. Ouais. Ça marche bien. C'est cette dernière soirée. Non, paraît-il que Madame Leroux, elle va avoir 70% des parts. Donc, Ah oui, je crois qu'elle m'a dit qu'elle voulait racheter les parts de Deline, je crois. C'est ça. Je sais plus si elle m'a dit ça ou pas. Mais après, Deline, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Elle doit avoir un paquet de pognon, alors, hein, si elle peut faire ça. Bah, je pense que peut-être Marco aussi est intéressé. Ouais, mais je pense qu'il doit faire un bail chelou. Mais t'as, enfin, ça, moi, t'as des nouvelles d'Odeline d'ailleurs, arrivé Non, pas de nouvelles. Ça fait un peu chiant de pas pouvoir lui dire au revoir. Bah oui, bah je comprends. C'est à moi de jouer, pardon. Oui. On a quoi, nous? Moi, je suis après qui? Parce que j'ai rien suivi. Elle est pleine. Après. T'es pas du tout. Moi, je sais pas quand je joue. Je regarde et je pas pop. Tu joues après moi, ce choix. Okay. Non, mais c'est pour ça le principe. Très mal positionné. Déjà qu'une personne est 51%, je suis pas fan. Mais que ce soit une personne en plus qu'on connaît depuis pas longtemps, je suis encore moins fan. Mais... Ouais. Surtout donc 70, pardon, pas, c'est encore pire. Dans quelle direction elle va se diriger là pour l'instant? Bah, je pense ça, qu'elle va droit dans le mur. Hein. Je sais pas, elle veut faire quoi? Non, vous avez pas le droit de le dire, je suppose. C'est pas une question de bah, faire c'est quoi, pas, c'est plus. On sait pas ce qu'elle veut faire en fait. Et ouais. Elle fait tout dans le dos, j'ai l'impression. Donc, comme ça. En
En fait, elle a été recrutée à la base pour faire de l'administratif, quoi. Ouais, pour faire d'aff, quoi. Sauf que, bon... Elle a voulu prendre... Pour moi, le Weasel, c'est... Enfin, je veux dire, c'est pas que la gestion et la compta, le Weasel, quoi. C'est avant tout le journalisme, quoi. Donc, je pense que ça me semble important qu'elle s'intéresse à ça aussi, quoi. Il connaît rien du tout. Hein. Par contre, pour critiquer, elle est là. Elle est let's go. Hein. Oh, merde. Hein. T'inquiète. Ah, moi, je la vois ici, la boule blanche, elle n'est pas entrée. Oh, pareil. Ouais. Moi, elle est bien rentrée. Oui, bah, on a vu aussi qu'elle est rentrée, mais elle est encore. Nous, on l'avait encore. Ça, moi, de toute façon. Merde. Oh, le petit bug là, let's go. Quoi que la violette. Bravo. Oh, bien joué. Oui, c'est un joli coup, ça. Donc bon, je sais pas vraiment. On verra d'ici un mois et demi, apparemment. Qu'est-ce que va devenir le Weasel. Hein, mais bon, quand on refuse de recruter des gens sous prétexte qu'on connaît pas assez l'équipe actuelle... Non, ça, j'ai pas compris. Hein. Vraiment, je l'aurais dit, mais... Moi, j'étais sur le cul, vraiment. C'est... Hein. C'est toujours compliqué, je m'en veux. Du coup, à chaque fois, je suis comme, vas-y, je suis personne. J'ai abandonné le navire, donc je ferme ma gueule, mais... Bah non, t'es actionnaire. Ouais, non, mais je comprends, mais je peux pas m'empêcher de m'en vouloir. Bah, je peux dire que Foster, il se gêne pas pour donner son avis. Hein. Ouais, non, mais t'inquiète, j'ai comme... La grande maîtresse de l'école, hein, elle est partout. Hein. Ouais. T'inquiète qu'après, moi, je suis direct allée au Weasel pour dire, ah bah moi, je vois plutôt ça, mais... Non, mais pareil, je l'aurais fait, bah... Pour moi, le plus logique, c'est que vous arrêtiez quasiment toutes les activités et juste vous faites des recrutements en fait. Et on m'a dit ça, non, on m'a dit exactement comme vous, bah oui, mais on connaît pas assez les gens. J'étais comme bah non, mais même à quel moment tu dois connaître les gens avant de les, je veux dire, recruter quelqu'un, bah tu connais pas la personne et tu apprends à la connaître et ça se dire. Non, non, mais pas dans ce sens-là, mais dans le sens, oui, mais on connaît pas encore assez Benjamin et tout, mais bon, il est tout seul, Bichette. Bah oui, il va pas bosser tout seul, ça va pas te donner envie. Parce que tu crois vraiment que les gens, là, tu leur dis, ah bah non, mais là, on recrute pas, du coup, on est au fond tout seul, enfin, le Weasel est fermé, on recrute pas, revenez dans un mois et demi. Tu crois vraiment que les gens, ils vont attendre et revenir dans un mois et demi pour venir bosser au Weasel, les gens ils vont dire oh bon bah c'est pas grave, je vais aller voir après, ailleurs. Hein. Après bon, peut-être aussi, j'ai pas tous les tenants et aboutissants, Gabriel est pas là, ça se trouve Robert, il veut partir, il veut peut-être pas aussi former moi, des gens et tout. Je sais pas, il y a plus d'un mois, il m'a dit qu'il voulait partir, mais depuis il m'a pas relancé dessus, donc j'imagine qu'il reste. Mais Robert, je le comprends pas trop non plus. Là j'ai une question. Mm-hmm. Les problèmes de compta, il manque des sous ou il y a trop de sous? Il y a trop de sous. Ok. Ce qui n'est pas vraiment un problème en plus en soi. Donc, donc dans votre compta, vous avez moins de sous qu'est-ce qu'il y a vraiment dans le coffre. C'est ça, ouais. Ok. Apparemment, c'est le problème majeur de Gabriel, non? Bah, ouais, je sais pas. Mon cheval de Troie, là, vraiment. Je comprends pas vraiment. Alors qu'il suffit juste d'envoyer un mail au service des finances ou je sais pas quoi, là, qui gère ça. Leur dire, bon, bah écoutez, on a un souci. Yes. Vous pouvez nous aider à le régler ou quoi, comme ça on repart bien, plutôt que de dire ah bah non mais on va fermer l'entreprise, comme ça on repart à zéro. Non, mais c'est n'importe quoi. Après elle est peut-être au bout du rôle, je sais pas. Au bout du rôle, je t'avoue, elle fait pas grand chose, enfin pardon. Je sais pas. Oui, je faisais une photo, mais il fallait être naturel. Mais je fais un coup de cul à quelqu'un. Mince. Voilà, naturel. Comme Attends, ah merde, je voulais faire la pose aussi. Hein. Attends, je regarde bien là. Ah ouais, là, elle est très bien la poule. Elle est incroyable la faute. Je vous l'envoie. Weasel qui pour faux une usage. Personne qui va diriger le Weasel, qui connaît rien du tout dans le travail de rédaction, un truc comme ça. Après, le truc, c'est que maintenant, en ville... s'il faut attendre des gens qui étaient au Weasel pour qu'ils puissent prendre la tête du Weasel, il n'y a personne. Non, non, c'est sûr, mais elle cherche pas non plus à savoir. Je sais pas, ce que je suis perdue. Travail, non, ça donne ce qu'elle fait. Donc, Non, j'ai pas touché. Bah, voilà, ça prend la pose pour la photo, mais ça touche pas. Mais je croyais que t'avais pas joué, que t'avais fait ta photo. Ah, je reviens. C'est ça. Oui, monsieur qui meurt.
T'avoue, il y avait plein de fois où elle aurait pu écrire des trucs ou tout simple. Hein. Moi, je t'avoue, les articles que je faisais, c'était 5 lignes. Hein. Y a pas besoin de. Je ne cache pas là-dessus. Je crois que c'était le LSPD qui communiquait pas avec vous, mais on m'a dit qu'on. Si, maintenant, oui. Bah voilà, c'est pour c'est ça que c'est nous qui publions pas là, du coup. C'est plus ça. J'ai été surpris de savoir les trucs qu'on vous aviez donnés. Après, je comprends que c'est chaud, donc. J'avoue que après moi j'étais pas là, Ariel était pas là non plus quand le LSPD a communiqué et tout, donc je sais pas trop ce qui s'est passé à ce moment là, mais il y avait Gabriel, il y avait Robert, il y avait Damian anciennement, donc je me dis pourquoi ça a pas été. Ah merde, je me dis pourquoi ça va pas, enfin pourquoi les gens ils ont pas fait leur boulot quoi, c'était juste des communiqués de presse à faire. Ouais, pas exactement. Il y a un peu de réécriture quand même. Ouais, c'est pas un communiqué de presse du coup, c'est un vrai article quoi, mais c'est. J'en ai discuté avec Foster, je lui ai dit s'il y a un truc qu'il veut absolument communiquer, il nous envoie un communiqué de presse complet et puis on le publie tel quel quoi. Mais sinon, s'il veut nous laisser faire un article, bah là, bon, il y avait toutes les infos, il y avait juste à rédiger un petit peu. Bon, je comprends, ça peut être chiant, mais bon, c'est notre boulot quoi. En fait. Bah, c'est ça, c'est notre boulot. Ouais, c'est ça. Surtout que bon, Adonis, tu sais comment ça fonctionnait quoi. Il y avait des trucs infos du jour et trucs comme ça. Pendant 2 semaines, Ariel et moi, on n'a pas été là. Il y a eu comme si c'était rien passé quoi. Il y avait rien qui était rempli. Pareil pour les communiqués, enfin les infos que le LSPD il a communiqué au Weasel. Hein. Rien du tout. Moi, je sais pas où ça a été mis ou quoi hein, les informations qui ont été communiquées. Hein. Okay. Après, c'est le souci d'avoir un effectif qui est moins expérimenté. La plupart des personnes expérimentées étaient parties quoi, donc c'est reste Robert peu, hein, Robert il sait comment ça monde, marche quoi. La maison non, et après Robert il bosse un peu solo quoi. Bah moi je vais pas vous cacher, Robert je l'ai jamais senti. J'ai prévenu Ariel quand ils ont pris tous les deux la tête qu'il fasse gaffe à Robert, donc qu'il a une aura bizarre et puis bon il est un peu sénile mais il est vieux hein. Non mais c'est pas ça, mais même au niveau des articles c'est pas méchant et tout, mais moi j'avoue j'aime pas trop sa plume. Il y a eu aussi une fois où malheureusement il a suffi d'une fois où je lui avais demandé de décrire un article et tout, et l'article il ressemblait vachement à un truc que j'ai pu voir sur internet, donc à partir de là moi j'avoue ça a baissé un peu dans mon estime et j'ai toujours regardé un peu les articles d'un œil. Un 3 heures de débrief à l'heure, ouais, c'est ça. Suspicieux. Mais... Putain, je sais pas si je vais avoir le temps de tout faire hein, d'ici 23 heures. Après, c'est vrai là. Qu'il avait un point de vue différent et tout. Après, bon, bah c'est. Tu peux ouvrir la place de Serge si tu veux rien. Oui. Ah oui, pardon. Je suis pas non plus très fan de sa façon d'écrire, mais au moins il avait un point de vue. Ça, on peut pas lui retirer ça, tu vois. Mais moi, c'était pour les flashs. Hein. Des fois, je comprenais pas. Ah non, mais j'avoue, les flashs. Flash, moi, des fois, ça me faisait bondir. Hein. Le bureau de vote est ouvert. Hein. Enfin, même pas, quoi. Genre, aller voter ou je sais plus quoi. Moi, ça m'a fait tilter la semaine dernière pour le vote. Il s'en prend plein la gueule, Robert, hein, Bichette. Enfin. Je me dis, bon, ok, dans les articles, mais les flashs, quand même, faut que ça soit un peu plus. Waouh. Non, mais je suis nul, pardon, Sacha. Non, mais t'inquiète pas, hein, moi, j'ai rentré que deux boules, hein, Ben, depuis le début. Hein. Il taffe bien. Ah oui, ouais. Ah, le Ben, non, il m'a bluffé, Ben, moi. Hein. Incroyable. Jamin, ouais, hein, vraiment. Ça me fait chier de le lâcher, hein, mais. Il y a vraiment de bons trucs à faire avec lui. Hein. J'espère qu'ils vont pas gâcher son potentiel. Hein. Sinon, venez, on fait un putsch. Un putsch final. Oh, trop bien. On vire Robert et Gabriel et on met Ben à la tête. C'est parti. Il va falloir faire un truc pour qu'elle ait pas les 70% d'actionnariat. Hein, parce que sinon. Moi, je vous dis bon courage. Du cul. Hein. Mais ouais, je regarderai s'il y a moyen qu'on dise non, mais je vois même pas comment en fait. Soit la piste, elle a le champ libre, hein, elle est directrice. Bah, tu vas avoir besoin d'Odeline, je pense, pour ça. Oui. Avant de faire un push ou quoi que ce soit, faut parler. Hein. Non, mais je rigole à moitié, t'inquiète. Ouais, on n'est pas des sauvages. Hein. Oui. Non, mais c'est pour ça. En tout cas, c'est parce que tu m'as appris, Adonis. Oui, t'inquiète, je rigole.
Bah arrête, je suis déjà fébrile à chaque fois que je dois m'exprimer sur le visuel parce que j'ai une culpabilité aussi grande que ma personne, mais... Oui. C'est à cause de toi qu'on en est là, Adonis. Bah c'est pas vrai, oh là là, quel enfer. Ouais, je sais. Non, non, mais arrête, non mais retire-toi cette idée de la tête. Mais non, mais parce que le Weasel, ça reste la famille, le bébé, donc j'avoue... Ouais, je comprends. Je regarde j'ai, ça, j'ai ce même truc maintenant aussi. Puis, ouais, je sais la pression qu'on a tendance à se mettre et tout. Sacha, c'est à toi du coup, je crois. Puis là, il y a vraiment le truc de je pars et j'ai l'impression de laisser Louisa dans un pire état que lorsque j'ai récupéré la direction, quoi. Toi, Adonis, hein, moi je viens de jouer là, après Ariel a joué. Mais non, mais malheureusement, tu l'as toujours dit Ariel, hein, je pense que tu es allé dans la bonne direction. Hein. Mais malheureusement, la vie dévie. Nickel, merci beaucoup. C'est générosité ce soir. Attends, il nous reste quoi, 3 boules? D'ailleurs, pour parler du cas Foster, je l'ai croisé à la mairie. Mm-hmm. Premier truc qu'il m'a dit, bah ça, bah vous, j'ai appris que vous avez quitté le Weasel, monsieur Anderson. J'ai mis putain, mais... Ouais. Qu'est-ce que t'as contre monsieur Foster? Non, mais rien du tout, mais il a les yeux partout, il est au courant de tout, quoi. C'est lui qui devrait bosser au Weasel. C'est ce que je lui ai dit, je fais, mais putain, mais qu'est-ce que vous attendez pour postuler? Ah bah oui, non, mais c'est mon travail, c'est normal, il est actionnaire. C'est normal, il est actionnaire et Gabriel et Robert lui ont demandé son avis. Donc il a. Sur quoi il... Bah sur la situation et tout. Ouais, non, donc mais c'est normal qu'il sache. Ouais, un peu trop de pouvoir, hein, Foster. Bah non, mais même pour l'affaire de l'Emerald Bar et tout, là. Faire de l'Emerald Bar, on sort juste du rendez-vous avec Ariel, du rendez-vous avec Cordino, genre 5 minutes après, hein, on prend juste notre fin de service en revenant, 5 minutes après, Ariel y reçoit un appel. Ah bah alors, j'ai appris que ça allait pas bien et tout, entre le Weasel News et l'Emerald Bar, tout ça, tout ça, j'essaie d'arranger les choses. Je dis non mais c'est bon là, Cordino, il l'a dit à la maîtresse, mais quoi, c'est pas possible. Il est pote, oui, Foster, il est méga pote avec Leonardo. En fait, ce qui me gêne, c'est que quand il m'appelle Foster, je sais pas à qui je parle. Je sais pas si je parle au commissaire, je sais pas si je parle au patron de l'Opal, je sais pas si je parle à l'actionnaire du Weasel, ouais, hein. L'actionnaire de l'Emerald, l'actionnaire du taxi, si je parle au grand électeur, si je parle au banquier. Bah, après... C'est ça qui est compliqué, quoi. Tu parles à tout le monde. Si, quoi. Si tu parles en tant qu'actionnaire, il n'a pas le droit de répéter quoi que ce soit. Hein. C'est à vous de jouer. Sacha ou moi? Je sais pas. Idée. C'est à toi, je crois. Parce que moi, j'ai joué, rien à jouer. Il va falloir qu'on décolle bientôt. C'est vrai que t'as ton truc à 23h et puis il faut aller chercher la bifte. Ouais. Mais il n'y avait pas Maria Tessier qui devait passer? Bah, je sais pas. Il y a peut-être d'autres choses en tête. Hein. Ouais. Bah, c'est à toi, Ariel, du coup. Essaye de finir cette partie. Hein. Je pense que ça va prendre 3 ans. On va y arriver. Sinon, on change les règles. Hein. La première personne qui met la boule noire. Hein. Faire ça, bravo. Hein. Oh, regarde, il reste encore 2 boules pleines, là, ça va aller vite. Non, hein. Ça va aller vite. Bon, voilà un peu le thé du Weasel News, quoi. Sacré thé, hein. Ah bah, il est bien chaud, hein. Après, je pense que je donnais une direction intéressante au Weasel News, mais je sais pas, après, il y a... Merde, hein. Il y a aussi le fait de... C'est de la communication, c'est de la formation, c'est donner envie aux gens de travailler, quoi, aussi. Peut-être que là-dessus, j'ai pas été forcément... C'est lui. Peut-être que j'étais tout seul à comprendre la direction dans laquelle tu voulais emmener Louisol et tout. Je pense un peu, ouais. Du coup, bon, bah, moi, j'essaie de me donner pour que ça marche, et je pense que j'étais tout seul à vouloir me donner à fond pour que ça marche, quoi. Les autres, soit ils l'ont pas compris, ou soit ils avaient pas ta vision des choses et du coup ils faisaient leur tambouille, quoi. Après, chacun fait en fonction de ses capacités aussi.
sûr, mais bon, quand le directeur il donne une directive, le but de, des employés, c'est de le suivre, quoi. Oui. Mais t'es trop fort. J'ai vu Kimmer, ça m'a rendu de l'énergie. Il descend même pas dire bonjour. Mais il allait se coucher, il voulait juste me montrer sa nouvelle voiture. C'est... Le journalisme, ça reste un métier exigeant. Il a pris quoi? C'est sûr, vent, mais c'est, ça demande beaucoup d'exigence. Je pense pas que ce soit forcément à la portée du premier venu. Genre, elle a les portes qui s'ouvrent en vertical. Non, et puis il faut aimer ce qu'on fait. En quoi. Haut, là. Ouais. Et elle a un aileron qui s'ouvre quand il va vite, et quand il freine, ça se referme. C'est stressé. C'est à toi, Charlie. T'as qui? À Charlie. Charlie. Moi, j'aime pas les... Sacha? Non, mais moi, je m'appelle Sacha. Sacha, oui. Il y a un ancêtre qui s'appelait Charlie Sus, mais ça n'a pas de rapport, je crois. Charlie. La ref à l'ancien perso de Fibo, Charlie Engel. C'est qui Charlie? Le petit bonhomme là dans les BD là qu'on cherche. Hein. Ah oui, oui, Charlie, ouais. Je crois, hein, sinon c'est peut-être quelqu'un d'autre, mais. Attendez, c'est Denis qui joue après Sacha? Ah, pardon. C'est. C'est parce ça. Qu'on a échangé. Ah oui, merde, du coup c'est à moi. Non, parce que c'est à toi, ah, on a échangé. On a été brouillé comme. Oula. On a été brouillé comme Ariel prenait la place de Serge. Waouh, waouh, waouh. Hop là. Bon bah on a gagné. Merci à tous. Allez, la chasse à la bifta, c'est parti. Chasse à la bifta, c'est parti du coup. Vous voulez nous aider à trouver la bifta? On passe tes clés. Yes. Alors. Non, mon dieu. Ah, c'est bon, ça va mieux. Hop là, elle est quelque part sur l'île, je sais pas où vous exactement. Avez fait où? Vous avez fait le nord? Nulle part. Non, pas encore. Super. Non, on commence tout juste. Bah, vous faites Je te passe un double des clés. Ah, merde, ouais, voilà, disais, on pourrait se prendre une fréquence radio et tout, comme ça. Ouais, mais on se met plus de radio, une petite hein. Fréquence radio. Hop là. De radio, j'ai donné ma radio au whistle. Ah, c'est quoi ta radio? J'ai pas de radio. Bah, tu te démerdes. J'ai l'habitude. Vas-y, dis-moi. 1, 2, 3, 4. T'as pas de radio? J'ai pas de radio. Ah, hein. Merde, bon, c'est pas grave. On s'appelle au pire. Puis on s'appelle. Hein. Non, mais on peut en acheter une ou. Hein. Bon, dans les supermarchés, je pense. Merde, je pars avec ma queue, moi. Ouais. Range-la, range ta queue. Vous avez la ref ou pas? Dites-le dans le chat hein, si vous avez la réponse. N'hésitez pas. Allez, vite, 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 vite. Bravo, Herculeur. Bah. Mais moi j'ai pas l'habitude de courir. Hein. Alors attendez, on va se répartir les. On va se répartir les. On peut aller faire le. Non, vous avez une voiture qui va vite ou pas? Moi non. Bah moi j'ai une Vista compacte. Alors, il y en a deux qui font le. Qui font deux qui font la ville et deux qui font le nord. Bah moi je suis que avec Adonis donc. Ah oui, ok. Ils vont être. On peut aller au nord. Hein. À limite faites le nord et puis nous on fait la ville. Ok, c'est parti. Ça marche. On commence à l'opératoire. Observatoire. Ok, observatoire. Ça marche. Moi je vais aller voir. Sinon tu fais l'ouest, je fais l'est. Sacha. Alors attends, je fais l'ouest, tu fais l'est. Ok, donc ouais. Moi je fais tout ce qui est parti Vespucci quoi. Ouais, c'est ça. Vas-y, bon bah vas-y, je vais faire. Allez. Ça. N'hésite pas à m'appeler. Hein. Ouais. À tout de suite. À toutes. Et si jamais tu te chopes une radio, c'est 1, 2, 3, 4. 3, 4, d'accord. Allez, chasse à la bifta. J'ai jamais avoir le temps. Je me demande s'il faudra pas que je décale mon billet.
On verra bien. Et ouais, Max. Rien à l'observatoire. Ok. C'est la chasse à la bifta. Avec la calerie ici. Allez, on laisse custom. Allô. Vous êtes où? On va vous rejoindre. Bah en fait, on est un peu tous éclatés là. Enfin éclatés. Ah. On est en train de chercher ma bifta du coup. Ah. Et vous êtes tous partis. Ouais, un peu partout sur l'île, ouais. Ouais, ok. Toi, bah, du coup, t'es où toi? Bah, moi, du coup, là, je vais aller au LS Custom pour vérifier le parking du LS. LS Custom. Non, pas Custom, LS le LS Karmit, pardon. Ouais. Ça tombe bien, on y était. Ah, ok. Et bah, j'y retourne et puis on va t'attendre. Ça marche. Et puis comme ça, je te filerai un double des clés, comme ça. Ouais. On va faire un tour, tu pourras nous aider à chercher aussi. Mais là, on est déjà trois voitures, là, je pense que ça va aller vite. Ok. Je sais pas si j'aurai le temps de la vendre avant mon départ. Quelqu'un qui est intéressé? Je vais la vendre à Sacha. Ah, ok. Et, on t'attend là-bas. Ah, tout de suite, j'arrive. Tout de suite. Pardon? Elle est pas au jet ski. Ah, j'aurais pensé qu'elle pouvait être là-bas. Vous avez prévenu Maria qu'on est plus au tequila là? Ouais, elle est avec moi au LS, LS Karmit. Ok. Voilà. Non, elle est pas ici non plus. On est sur une radio 1, 2, 3, 4 si tu veux. 2, 3, 4. Salut. Ok. Ma radio, j'ai pas de radio en fait. C'est vrai que j'ai pas de radio. Radio? Bah, je crois qu'on me l'a prise. Hein. Je pense que si j'en ai pas. Let's go. Bah, c'est pas grave, de toute façon, vous êtes tous les deux dans une voiture. C'est bon, je me suis mis dessus. Oui. Du coup, pour le moment, j'ai fait. Ouais. Alors, j'ai fait. Du coup, il y a pas ma voiture, elle est pas là, elle est pas à Mirror Park. Ouais. Elle est pas à côté, le parking est à côté de chez toi, Maria. Ouais, ok. Normalement, elle est pas.
Elle n'est pas au parking et les speedy, mais à revérifier. Si vous voulez, vous pouvez y aller. Ouais, j'ai pas okay, vérifié ouais. le parking qui est juste au-dessus de, des EMS non plus. Okay. Je vais aller checker le parking rouge. Ok, bon, on va chercher, on va regarder voilà. à l'SPD puis y a, au-dessus des EMS. Il y a Sacha qui est en train de faire l'est de la ville et il y a okay. Denis et Serge qui sont sur tout le nord de la ville. Mais du coup, okay. peut-être qu'on les rejoindra sur le nord de la ville. Ok. Et ça marche. Voilà. Tu peux t'annoncer en, tu peux t'annoncer en radio du... si tu veux, Valentin. Celui du... du karting, c'est pas dedans. Hein. Pardon ? Le parking du karting, il est pas... c'est pas peut-être là-bas ? Je pense pas. Je vais aller au parking rouge. À toutes. Ok, à toutes. Bah c'est parti. C'est la course. Ça va être vite. C'est marrant cette petite, petite chasse là. C'est Ron aussi. Je passe par où là. T'as regardé au Weasel, Ariel ? Ouais, ça y est, pas Weasel, Robert m'a dit. Ok. Allô. Ariel. T'as trouvé quelque chose? Non, rien du tout. J'ai fait tous les parkings dans l'ouest. Je vais voir à l'aéroport, mais... Ah ouais, c'est pas une mauvaise idée, ça, l'aéroport. Mais là, je passe juste à la supérette de Little Seoul pour me prendre une radio. Ah ouais, ok, mais bon. Ça marche. Oh merde, j'ai renversé quelqu'un. Oula. Merde, attends, parce qu'il y a la supérette qui se fait braquer aussi. Elle est pas à Paléto. Là, quelle galère. Ok. Tu me tiens au courant? Ouais, je te dis ça. À toutes. À toutes. Elle est pas à Paléto ? Non. Elle est ni parking EMS, ni parking LSPD. Je vais au parking rouge. Vous avez fait observatoire ? Ouais. Au parking rouge. Maria demande si t'as regardé la fourrière. Ah
non, je vais pas checker. Bonne idée, j'y vais. Jet ski a été fait ou pas? Oui, jet ski, ça a été fait. La fourrière. Il reste lesquels du coup? Je sais pas exactement. 110 charges, je sais pas si ça a été fait. Pardon, je sais pas exactement. 110 charges, je sais pas si ça a été fait. 110 shore, on fait celui en 30-00, donc vous pouvez faire 40-25. Allô? Oui, Ariel. Ouais, je voulais vérifier les garages que t'avais fait, les parkings que t'avais fait à l'est. T'as fait le... Tu peux me dire lesquels plutôt, hein. Pardon? J'ai fait à l'ouest plutôt. Hein. L'ouest. Alors tout ce qui est côté Vespucci. Oui, pardon, l'ouest, ouais. Bah écoute, j'ai fait celui en 70-11 tout okay. En haut, West Eclipse Boulevard. Après, je suis redescendu 92 auprès du parking multicolore. Ouais. Après, j'ai fait la Marina en 82-38. Ok. Après, j'ai fait Vespucci Beach à 82-10. Il n'y avait rien nulle part. Il n'y avait rien du tout. Après, je suis allé voir Parking Rouge, il n'y a rien du tout. Okay, ouais. Et là, je suis à... Merde, je suis à l'aéroport, rien du tout non plus. Je vais remonter vers la Maze Bank Arena. Attends, au niveau du truc de karting. Ah oui, tu vas y aller, là? Je vais y aller là, ouais, okay, je suis pas très loin. Je crois pas qu'elle y soit, mais ouais, ok. Ok, bah, sinon, Adonis et Serge, ils ont eu quelque chose. Rien du tout, attends, il vient me dire un truc en radio, je suis pas sûr. Bien. Allô, t'as dit quoi? Elle est pas en 30-00, on va en 40-25. Ok, ça marche. Bah, pour le moment, rien. Pour ce qui est de Paléto, Sandy Shore, rien pour le moment non plus, pas observatoire, pas jet ski. Okay, ça se limite pas mal là quand même. La galère, non. C'est nulle part en ville hein, pour le moment. T'as fait quoi, tu vois, du coup? T'as fait le centre Ouais, on a fait Mirror Park. Mirror Park, Alice Custom, La Fourrière. Ouais. Le Eclipse Boulevard à côté de Eclipse Tower. Mmh. Pas loin du tequila là. Qui est EMS et les Speedy, y a rien. Pareil, j'étais passé aussi au parking rouge. On a trouvé la bifta, on la ramène. Okay, Ah, ils l'ont trouvé, c'est bon. Let's go. À la mairie ? Y a, elle est où du coup? Elle est dans la nord, mairie, hein. Ouais, c'est bien. Ouais. Ok. Elle était où? 40-25. En 40-25, ok, super. Et bah ouais, à la mairie du coup. Super. Parce que moi, je t'avoue, je voulais aller acheter une radio, sauf que... Non, bah viens à la mairie plutôt, parce que comme ça, je te la vends. Ouais, du coup, faut que je retire les sous, c'est ça? Alors c'est à la banque qu'on fait le... Je sais pas du tout comment ouais, ça non, se ouais, passe. Retire les sous, effectivement. Ouais. C'est combien, 13 000? 13 000, ouais.
Ok, bah, je vais me balader avec une mallette partout en ville. Ouais, t'inquiète. Bah, si tu veux, okay. Si tu veux, je t'accompagne. Je veux bien me balader avec une mallette. Au pire, il y a une banque pas très loin. Au pire, il y a une banque au Wick Avenue. Attends. Juste à côté de la mairie. Ah oui, ouais. 71-85. Bah, vas-y. Bon, bah j'y vais. Je suis à l'aéroport, donc je vais peut-être mettre un peu de temps. Ok, à tout de suite. Hein. Belle opération, ça a bien joué. On l'a trouvé, incroyable. Est-ce que quelqu'un veut m'astagner? Il ne semblerait pas. Je suis pas très étonné. Un nouvel arrivant, peut-être. Je vais pas avoir le temps, je pense que je vais juste la vendre au concessionnaire. Oui. On passe à la banque avec Sacha et on arrive à la mairie. Ok. Devant notre quartier, super. Merci. Eh ben. Le drift, hein. Ah ouais, c'est impressionnant. J'essaie de bien me garer pour pas qu'il me baisse ma voiture. Moi, je t'attends ici. Bah t'as pas de voiture toi du coup? Ah tu t'es de l'autre côté en face, ouais. Ah ok. Je me dépêche. Allez, à toutes. On va faire la classique. Mais non, je suis bête. Mon billet, c'était à 23h30. La spéciale. Oula. Tiens, viens. Là, toute la maille que j'ai dans les mains. Ah, bien joué. Oui, bah putain, c'était le dernier garage. Ouais, c'était vraiment le dernier, ouais. Ah là là, je vous raconte pas l'épopée. Hein. Ah bah oui. Ouais, c'est parti. Allez, go. C'est bon, bah, ça te convient C'est super, hein, ça va être rigolo. Hein. Allez, nickel. Sale, mais ça donne le style, quoi. Et moi, ouais, j'ai toujours voulu une voiture un peu comme elle ça. Elle fait toutes les montagnes. Elle est trop agréable à conduire. C'est la première fois que je conduisais ça, c'est très chouette. Faudrait que j'essaye. Tout à l'heure, quand tu m'as appelé, Ariel, là, j'étais devant Little Seoul.
Et pour parce que je voulais m'acheter une radio pour communiquer, tu vois. Ok. Sauf que pile au moment, tu m'appelles, je vois la supérette qui se fait braquer. Je fais putain. Ah merde. Ah oui. Net, hein. Et je regarde pas. Et du coup, il y a une personne aussi qui passe devant. Et, j'ai un peu poussé avec mon capot. Ah oui. Bon, il est reparti sur pied. Il m'a gratifié d'un vachpouder caray. À quoi? Il m'a dit vachpouder caray. Ça veut du dire coup, quoi? Je pense que ça voulait dire bonne journée ou je sais pas quoi. Tu vois, je pense, ouais. Après, il est parti en courant. Ouais. Et donc du coup j'étais un peu stupéfait. Hein. Pascal. Bonsoir. Bonsoir. Rebonsoir, ça serait pour une vente de véhicules. Ah oui, d'accord, on y va, allons-y. Merci. Bah, depuis lundi. Suis-moi aussi. Hein. Bah oui. Oui, vous deux, oui. Oui, oui. Parti. Merci. Ah. Convoi exceptionnel. Bonsoir. Les portes sont extrêmement lourdes ici. Ah, un petit peu, oui. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors, hop, je vais ouvrir tout le document. Où est-ce que c'est? Tellement. Je vais y arriver, je vous jure, bougez pas. Du coup, c'est pas de problème. Véhicule, hein, c'est ça, véhicule. Oui, c'est ça. Regardez ça. Qu'est-ce que vous vendez comme véhicule? Une Bifta. Ça, c'est les buggy, ça, non? Non, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Mmh. Ok. On ira au concessionnaire après, Sacha. Tu vas être mon chauffeur pour le reste de la soirée. C'est parti, hein, ça me dérange pas. Hein. Ouais, c'est très gentil. Ah oui, tu vas vendre ta... La Stanier, ouais. Alors c'est quoi la plaque de la Bifta, plaque d'immatriculation? Alors... JYB 669. Ok. Vous la vendez à quel prix? 13 000. Ok, super. Qui vend? Ariel Levasseur. Oui, je... Alors, t'as pas de souci à avoir un chien dans ta voiture, Sacha? Chien dans la voiture? Non, mais j'ai un chien. Ah oui, ah non, y a pas de souci. Hein. Je suis ami des chiens. Ok, ok. Parce qu'il faudrait pas que j'oublie mon toutou avant de partir. Ça serait malheureux, je t'avoue. Ouais. Il sera malheureux à l'hôtel avec moi. Hein. Et en face, nous avons Monsieur Sacha. Comment? Anderson, A-N-D-E-R-S-O-N. Très bien. J'ai un petit souci avec le logiciel. C'est magnifique la technologie. Hein. Bypass la technologie. Est-ce que je peux contrer la technologie? Oui, bien sûr. Oui, il y a toujours moyen de contrer la technologie. Hein. Mais elle nous rattrape très très vite. Hein. Ok. Très bien. Monsieur Anderson, puis-je voir votre permis de conduire, s'il vous plaît? Pour vérifier quand même. Bien sûr. Hein. Et qu'il vous reste des points. Moi, je suis un très bon chauffeur. Attendez, par contre, je range mes affaires n'importe comment. Il faut aussi descendre de la chaise, je pense. Mon permis de conduire, le voile. Là. Ah, super. Oh, bah, c'est nickel ça, 12 points. 12 points, depuis, eh ben... j'en ai perdu 0, j'ai repassé 0 fois, donc comme ça. C'est super! Voilà. Pour moi, c'est tout bon l'argent. Vous faites le transfert tout de suite, c'est ça là? Ouais. Donner l'argent et puis je m'occupe des clés. Donne l'argent à Ariel, du coup. $13 000. Nickel. Une belle mallette en plus. Ok.
Je vous laisse. Il y a d'autres choses à faire. Vous pouvez supprimer toutes vos doubles, jeter tous les doubles quand même. Ouais. Dès que. Voilà. Du coup, je supprime le double des clés qu'on m'a donné. Ah oui, oui, on fait ça, Roger. On fait ça. On sait jamais. Je m'en suis chargé, du coup. Ah ok, bah c'est bon, parce que je me disais, je les vois plus. Hein. Tu me les as piqués dans la poche. Faire ça au cas où. Oh, et bah super. Alors, monsieur, sœur. Regardez, hop, vos clés. Très bien, on a dit 30 JB, JRB, ok. Normalement. Ah. Ah, bah si, voilà. Bon, merci, je suis propriétaire. Bon. Eh bien, super. Je sais que ça marche bien quand même, hein, si jamais vous avez un souci, vous venez. Bien, je vais... Bon, on va essayer. Bon, allez, juste devant parking. La voiture. On va y aller. Est-ce que vous voulez que je vous envoie le petit document? Ouf. Oui, non. Oh non, non. Moi, je m'en fous. C'est quoi comme document? Allez. Quoi l'avance? Allez. Fait aujourd'hui, tel jour, telle heure. Oh voilà. Non, c'est bon, hein, vous embêtez pas, au pire. Mais pas de soucis. Tant mieux, super. Bah, je vous laisse y aller, profitez. Beaucoup. Bah, merci beaucoup, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. C'est super fort. Il y avait un peu de monde pour les votes ou pas? Monsieur Andrew et Monsieur Desbeaulieu. Moi je faisais juste le taxi, oui, moi je suis là parce que je suis là. Bon, il y a trop de bruit. Hello. Du coup, Sacha m'emmène vendre ma stagnée, sauf si ça intéresse quelqu'un. C'est quoi une stagnée? C'est le véhicule bleu, enfin bleu foncé là-bas derrière, là. Enfin pas bleu foncé derrière le, pas bleu orange, c'est celui qui est juste derrière. J'arrive, je vais jeter un œil. Apparemment, il y avait deux Beaulieu qui étaient à la mairie, tirer une de ses gueules. Ah bon? Ah ouais. Ouais, tu m'étonnes. Bah il est pas passé au second quoi. Bah ouais, tu m'étonnes, ah. Il a dû faire la gueule, hein. Après, il était même pas là pour les résultats. Bon, bah en même temps, il devait peut-être se douter du score lamentable qu'il allait faire. Oula. Oh là là. Bonne soirée. Oula. Ah oui, non mais... What? Pas l'air de les inquiéter, le apparemment, là. Quoi? Bah ça va, le SPD. Ouais, j'ai pas le temps pour ça. Du coup, t'es intéressé ou pas? Non, merci. Bon, ok, nickel. Bah du coup, Sacha, on se retrouve au concessionnaire. C'est vrai que toi, tu te balades avec une mallette dans les mains. Vas-y, on va au concessionnaire. Ah oui, faut que je passe à la banque aussi, ouais. Ça serait bien. Ça marche. Bah du coup, on se retrouve à la banque à côté, là. Ouais, vas-y. Tout de suite. Oh non, t'es quoi? Retrouve-moi au concessionnaire, ça sera plus simple. Moi, je te retrouve là-bas. Et après, vous allez à l'aéroport ou pas? Du coup, après, on passe chez moi pour que je récupère toutes mes affaires et mon chien, et puis après, on va à l'aéroport. Ouais. Est-ce que t'as besoin d'aide ou on t'attend à l'aéroport avec Adonis? Oui, bah, moi, je sais pas quoi faire de la bifta, du coup. Okay. Ah, bah. Ah. Tu veux que je la garde pour l'instant? Bah, écoute, si ça te dérange pas, Serge, je suis pas contre. Hein, okay. Bah, moi, j'ai quelqu'un pour. Ouais. Du coup, ouais, tu prends ta propre voiture, du coup. Ah oui, et par contre, il faut lui redonner le double des clés, par contre. Ouais, attends, je te fais ça. À tout, on se retrouve au concessionnaire. Au concessionnaire, Ariel. À 23h, ça va être compliqué, là. On va jamais y être, hein, pour 23h. Oh là, il y a le meilleur à l'aéroport. Speedrun-moi tout ça, mec. Oh là là, on va aller tellement vite. J'ai encore 11 points, c'est clair. Ah.
Et j'en ai perdu là-dessus. Allez, on s'en bat les couilles. Riche vite fait hein. Au revoir la Stanier, t'es ma meilleure bagnole. 6250 boules. Au revoir. Sniff. Merde, j'ai encore plein de thunes. À quel con. Attends, sur mon compte. Faut que tu me ramènes à la banque encore. Partir. Faut que je regarde mon billet à quelle heure ça. T'as vu le billet que, en parlant de billet, t'as vu le billet d'humeur là qu'a fait Robert? Je t'avoue, je regarderai plus tard. Qu'est-ce qu'il a dit? Il se plaint des candidats qui sont pas venus à la mairie. Je lui ai dit, on s'en fout. Mais bon, il fait ce qu'il veut. On s'en fout. Oui, c'est vrai que maintenant on s'en fout. Hop là, direction Mirror Park. Mirror Park, c'est parti. Hein. Vendu ma sentinelle et même José n'avait jamais eu autant sur son compte. Il y a 173 000. Ah, tu vas te faire plaisir avec la bifta, je pense. J'en doute pas, elle a l'air rigolote à conduire. Ouais, elle est très sympa. C'est quoi comme voiture ça? Blista Compact. Ok. La première voiture que j'ai pu m'acheter, hein. Et puis elle est sympa, elle est rigolote. Hein. Bon, elle tire un peu les fesses, mais. Drift bien. Hein. Il m'a proposé de faire une colocation avec lui à Donis. Hein. Ah ouais? C'est ici ou c'est celle d'après? C'est hein juste après, là. C'est vrai. Il m'a proposé tout. Hein. T'as besoin d'aide pour tes affaires ou c'est bon hein? Non, t'inquiète, j'en ai pour une minute, j'arrive. Ok, y'a pas de soucis. Récupère toutes les affaires vite fait, hop là, tatatatatac. Tatatatatac, hop là. Est-ce qu'il y a des trucs dans les coffres peut-être? La canne à pêche en kit. Cigarette. Les roses. Par 10% est encore possible. Est-ce que Suzume est dead ou pas? Suzume! Allez, Suzume. Quelle bête, hein. Comment qu'il s'appelle? Suzume. Suzume. Allez, vas-y, monte dans la voiture. Crame Suzume. Hein. Nickel. Ah, attends, non, j'ai oublié de faire un truc. Faut que je laisse les clés dans la boîte aux lettres.
Hop là. On ferait le plaisir de pas pisser et baver partout dans la voiture, s'il te plaît, sous zoomer. Oh non, elle est bien éduquée. Ok, bah merci à elle. On va où, aéroport du coup? Aéroport, ouais. Tu me mets un point, je sais pas trop y aller d'ici. Tu l'emmènes avec toi à Toronto, hein, c'est cool ça. Ouais. Ça va lui faire voir du pays. Tu m'étonnes. Hein. De quoi bien gambader, hein. Quoique Mirror Park, c'est pas mal. Hein. Y'a qui du coup qui t'accompagne au port, y'a Maria, son collègue. Ouais, bah il va y avoir Adonis et Serge, Albert Wattier et Reed Barker qui vont être là. Et je connais pas du tout. Hein. Albert Wattier, c'est un des directeurs de Downtown Capco. Et Reed Barker, c'est un policier. Ok. Et Robert, il vient même pas. Hein. Non, bah, c'est pas très grave. Et tu partais, hein? Ah bah j'ai un message de chauffeur, tiens. Tu connais? C'est un policier ça, non? Ouais, il a mes chaînes aussi. Ok. Le nom me dit un truc, mais je sais pas si je l'ai croisé. Merde, je me suis fait flasher. Ouais, toujours des points en tout cas. T'as pas du tout voté ce soir, hein. Non, c'est pas grave. Et après, tu t'en fous, hein, tu. Et il me disait Foster, il y avait plus de 70% d'abstention au premier tour des élections. Énorme. Ça, du coup, ce chiffre-là, il nous a pas été communiqué au premier tour, c'est trop bizarre. Aïe! Espèce de conne, tu peux pas me taper. Ah oui, tu peux. Ouais, limite, tu peux te garer au parking. Ouais, je vais me mettre au parking ici. Ouais. Hein. Mais laisse-moi passer, toi. Mais non, mais c'est pas possible, les gens ils veulent ma mort hein, sur cette route. Allez, sous zoomer. Est-ce qu'elle va clamser ou pas? Attends, je vais le prendre dans mes bras. Tac, pas plus simple. Hop là, elle monte. C'est parti. Du courage, je vais la porter dans les bras comme ça, là, parce que c'est pas un petit chien. Un peu chargé, là, je t'avoue. Valise. Bon, bah, peut-être ça arrête. C'est pas compliqué, possible, hein. Les gens ici. Hein. Vous voyez pas qu'il y a un chien dans les bras. Égoïste. Hein. C'est Robert en blanc là. Allez, vas-y, descends. Voilà. Et rebonsoir. Ah bah Robert, t'es là, c'est cool. Bonsoir. Elle est trop mignonne. Sous zoomer. Elle a déjà pris l'avion? Zoomé? Oui. Non, je pense pas. Faudra pas que je sache en tout cas. Ouf. Bébou. C'est
ça va lui faire tout drôle l'avion. Hein. Ouais. Ça va lui faire bizarre, ouais. T'as pris des médicaments peut-être pour apaiser Ouais, je dois avoir ça quelque part. Ouais. Du coup, il la fout dans la soute, quoi. Si... Ouais, je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais je dois. Souvent, c'est des grosses cages, ils mettent en soute. Ouais. C'est bon, ça bah, va, d'ici... quand c'est des gros animaux. Ouais. Bon, d'ici à Toronto, ça devrait pas être trop long normalement. Bon, après, trop long, c'est-à-dire que hein. quelques heures de vol, quoi. Bon, bah, on y est, hein. Ouais. Yeah, c'est la fin. Ouais. Je dois faire un discours ou... Un discours. Ah ouais, un discours. Hein, tant qu'à faire. Allez, un petit discours de fin. Ah ouais. J'avais pas du tout pensé. Hein. T'es pas pensé. J'étais complètement dans la chasse à la bifta et et tout ça. J'ai pas du tout. Soir, pas hein. Réussi. J'ai pas du tout pensé. J'ai pas du tout pensé à préparer un discours. Dis juste qu'il se passe pas. Pardon. Dis juste qu'il se. Qui. J'arrive pas. Ah oui, bref, par la tête, tu vois. Tête, voilà, ouais. Exactement. Désolé, j'ai pas très bien organisé. T'es laissé. Donc, à faire du comment on est exceptionnel et extraordinaire, hein. Juste à se faire mousser un peu, hein. Ça fait pas de mal avant de partir. Hein. C'est gentil. Hein. Je sais qu'il y a. Il y a... Bah, Albert, il est. Ah, mais Albert, il doit être au-dessus, je pense. On peut monter. Attendez, je vais le chercher. On est en dessous, Albert. Bah, je te suis. Pas d'amour dans l'avion, tu vas casser les couilles à tout le monde. Non, mais... Qui c'est qui va casser les couilles à tout le monde? Ah bah se zoomer là, regarde, être dans son trottoir, hein. Pas dormir dans l'avion, enfin si elle y arrive. Hein. Un bon toutou. On m'a fait du bien hein, ces derniers jours de l'avoir. Tu m'étonnes, hein. T'es une bonne compagnie. Ouais. Et bonsoir à tous. Et bonsoir. Bonsoir. Apparemment Albert... Discours d'Ariel, hein. Apparemment Albert, je dois faire un discours. Hein. Moi, je ne sais pas, moi, je ne sais pas comment ça se passe hein, quand les gens. Voilà. Oh, ouais. Il doit faire un discours à chacun d'entre nous en disant à quel point on est exceptionnel et extraordinaire. Bah, allez, c'est parti. C'est vrai. C'est le moment, Ariel. Hein. Très bien. Robert, tu es exceptionnel et extraordinaire. Oh, mais faut que ce soit plus personnel. Ouais, hein, faut expliquer pourquoi on est extraordinaire et exceptionnel. Ah oui. Hein. Ah oui, les noms que vous en demandez beaucoup quand même. Pire, t'es pas obligé de le faire aux autres, mais au moins moi je le sens en tout cas. Ah oui, d'accord. Okay. Robert, ça a pas toujours été simple, ça a quand même été un plaisir de travailler avec toi au Weasel. Et j'espère que tu vas trouver. Des alliés dont t'as besoin, je pense, pour t'aider dans ta vie pro comme ta vie perso. Et puis voilà, tu es effectivement exceptionnel. Serge, c'était un plaisir de te connaître et de travailler avec toi au LSPD. Et en vrai, c'était chouette d'avoir quelqu'un qui comprenait qui comprenait mon rapport au travail en tant que policier et d'avoir quelqu'un qui se confiait dans cette période là-bas. Oui. Ça m'a fait du bien. Et puis c'était cool aussi le temps où t'étais Weasel également.
Bon, ça, on va pas se mentir, j'ai pas trop travaillé, mais oui. Oui, mais bon, c'était quand même cool de t'avoir. Denis, que dire ? On se comprend bien, je pense. Je pense qu'on comprend très bien, puis avec Robert aussi, ce que c'est de travailler Weasel. Sauve-toi, cours. Vas-y. C'est ça. Mais du coup, ouais, c'est contre mon gré, c'est ce que je suis en train de faire du coup. Mais tu m'as pas mal appris et j'ai essayé d'inculquer Weasel les conseils que tu m'as donné. Et je me dis que à peu près que jusqu'à la fin j'ai tenté de défendre l'image du journal. Et t'as bien fait, je trouve. C'est gentil. Mais en tout cas, ça a été un plaisir de te connaître également. Même si, vous m'avez pas invité à votre mariage, quoi. Ah, ça, on s'en souvient, tu t'es invité tout seul. Alors, pas exactement, c'est... Putain, c'est vrai. Oui, oui, oui. C'est la première fois qu'on l'avait rencontré à notre mariage, mais on le connaissait pas. Ouais, c'est ça. Bah oui. C'est feu Pierre Lenard qui m'avait invité alors que c'est je venais juste de le rencontrer. Oui, mais... c'était un peu horrible de te laisser sur le bord de la route, mais... Oui, effectivement. Mais si ça s'était pas passé, j'aurais pas rencontré Albert. Hein. Je me souviens, je suis venu chercher avec mon taxi. Et oui. T'es avec ta mais belle chemise. Mais si on en refait un, tu seras invité maintenant. Bah j'espère bien. Je t'enverrai une petite lettre. J'espère bien que je serai invité. Maria, c'est un peu compliqué de trouver les mots. T'as été d'un énorme soutien pratiquement tout le temps et franchement, j'aurais préféré partir dans d'autres circonstances. J'imagine. Tu vas beaucoup me manquer. Valentin, entre nous, on se connaît pas trop. Non, pas trop, non. C'est quand même un plaisir de te connaître. Bye. Sacha, tu es exceptionnel. Tu es beau, intelligent, fort. Tu as un style à toute épreuve. Yes, merci. Et je comprends pas toujours tout ce que tu dis. Parce que tu utilises quand même beaucoup d'expressions. Mais c'était vraiment un plaisir de travailler avec toi. Et je trouve qu'on faisait un très bon duo au Weasel. Je trouve aussi. Hein, je regrette un peu qu'on ait pas passé de temps un peu plus en dehors du Weasel tous les deux. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça aurait pu être très sympa aussi. Hein. Prends soin de toi et puis bah j'espère que tu trouveras ta voie toi aussi du coup. On espère, on y croit fort. Hein. Ouais. C'était une très belle rencontre en tout cas. Merci pour tout ce que tu m'as inculqué pour Weasel News. Comme je t'ai dit, de toute façon je l'ai déjà dit, hein, mais on avait la même vision. Hein. Je crois aussi. Hein. Albert, que dire ? Bah, quand je suis exceptionnel. évidemment que t'es exceptionnel, Albert. T'as vraiment été là depuis le début, hein. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il a dit ! Comment ? Ça me semble un coup de bambou, hein, que tu partes. Comme je te dis hier, t'as intérêt à m'éviter à Toronto, hein, parce que sinon ça va mal se passer, hein, je t'en le dis. Hein. Oui, d'accord, je ferai ça, Albert. Je m'attendais pas à me prendre un coup de pression avant de partir, mais... Bah écoute, événement exceptionnel, hier exceptionnel. Hein. Oui, t'as raison.
Merci d'avoir été là, Albert. Bah, moi, je te remercie pour toutes les parties de billard au Yellow. T'es fort sympathique, et puis... Bah, tu vas me manquer, hein. Pareil, si tu as beaucoup manqué. Drôle, quand même, on est arrivé au même moment et on a fini tous les deux directeurs. Ouais. Ouais, il y en a qui ont été plus vite que d'autres, quand même. Ouais. Bon, c'est pas une compétition non plus. Oh. C'est pour souligner un peu... fait que je sois exceptionnel. Hein. Oui, c'est vrai. Shepard, Barker. C'était vraiment un plaisir de travailler avec vous. Ou les Speedy. Bah pour nous aussi. Et Reed, merci beaucoup pour tout le soutien pour notre conversation hier. Ouais, pas de soucis, c'est normal. Mais ouais, tu. Bah, tu manques déjà au poste et non, tu vas. Ouais, tu vas te manquer ici aussi en ville. Vous allez faire pleurer là. C'est le but, hein. Ouais. Tu vas nous manquer, hein. Ça ira bien chez ta mère en plus, avant de partir. Oh, mais... Je vais la retrouver justement, ouais. Et puis, tu sais que si jamais t'as envie de repasser dans le coin, tu nous fais signe. Ouais. Ouais. J'essaierai de vous envoyer des cartes de Toronto. Qui est vraiment la destination à visiter au Canada. Hein. Mais t'as dit il y a quelques minutes. J'ai rien dit du tout. J'ai rien dit du tout. Venez. D'ailleurs, venez, oui. Pourrais nous rechanter l'hymne de ton beau pays avant de partir. Ah. C'est une merveilleuse idée, je trouve. Ok, bon, alors attendez. Ça connaît même pas par cœur. Écoutez, Il est parti depuis plusieurs mois, du coup. Hein. Il faudrait créer un hymne pour, faudrait créer un hymne pour Los Plantos. Hein. Bah justement, tu vas peut-être pouvoir nous inspirer avec celui de Pompéi. C'est vrai. Au Canada, terre de nos aïeux, ton front est saint de fleurons glorieux. Car ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix. Et puis j'ai plus la suite, bon voilà quoi. Super. Ah, dommage, c'était un bon début. Ouais, magnifique. Et voir, ouais, belle voir. Très gentil. Hein. On adore, hein, vive le Canada. Oh ouais. Bref. Reed, je te fais confiance. Ouais, t'inquiète pas. Tu peux compter sur Maria, je pense. Je sais. Mais je te tiendrai au courant. J'aimerais bien qu'on fasse une minute pour minute de silence pour Abby, si ça vous convient. Oui, bien sûr. Ouais. Merci. Mais tu m'as dérangé pendant la minute de silence. Prends bon, soin de toi, Ariel, et de ta famille. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Plaisir de te recroiser. Il nous invite à Toronto, hein, si j'ai bien compris. Donc, Je ferai ça. Je ferai ça. Allez, bah... Ouais, dès que t'as un peu de temps, tu nous fais signe. On doit rien.
courage à toi. Merci. Bon, je fais une tournée de câlins si vous voulez. Allez, c'est parti. Ah, vous pressez pas. Hein. Moi, c'était pas à nous de venir à point. Je suis pas câlin. Allez, bonne route, Ariane. Merci, Serge. Dernière fois. Bon voyage, Ariel, prends soin de toi, sur toi. Merci, merci. Apprends à comprendre les métaphores. Je vais essayer, ouais. Ouais, parce que le dadon de la farce, il n'a pas très bien compris. Fais attention à toi et à ta famille. Merci, il y en avait plein qui n'a pas compris. Sans toi aussi. C'est rigolo. Ouais. Ouais, merci. Tu fais même pas un câlin, Albert. Non, non, c'est bien parce que c'est toi, ouais. Manquer, hein. Tu viens de manquer aussi. Vraiment. Exceptionnel, Ariel. Merci beaucoup. Bon, allez, j'y vais. Je suis déjà à la bourre, l'embarquement, il y a quand même à commencer déjà. Bon courage. Allez, salut. Salut, bon Ariel. Ouais. Au plaisir. T'es le meilleur, Ariel. On va essayer de se trouver une petite musique là. Je pensais pas qu'ils allaient me faire chanter l'hymne canadien là. Je suis même pas sûr d'avoir bien chanté. Qu'est-ce qu'on se met là?